flesh to be clean. Un petit point sur les défis. Lance-ci, lance-flamme, fusil d'assaut. Alors donc ce qu'on a fait en hors ligne, enfin hors vidéo, on est venu ici, on a traversé, on a libéré cet avant-poste deux fois en étant discret. On a libéré cet avant-poste une fois pour l'instant. Et on va libérer Nikrai et Sharky. On a trouvé aussi un cougar monstrueux, donc valeur marchande, voilà. Il enfin, y a des trucs quand même. Sachant que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut pour que je fasse des bons fusils, donc ça fait chier. Voilà. On va se taper ça et ça. On va aller libérer aussi nos potes. Donc mon objectif là c'est d'améliorer mon groupe. Alors vous voyez Nana elle est au niveau max. Le chien est au niveau max. Je suis en train de faire Horatio et Carmina en parallèle. Donc il va m'en falloir des nouveaux. Donc je sais pas où il y en a. Hein. Il y en a un là. Un là. Ouais, bon voilà, je vais... Salut, c'est Sharky. Comme j'ai un gamin à élever maintenant, j'ai pris une décision d'homme responsable. Voilà, on va aller faire ça. Donc là, j'ai des armes pourries, faut le savoir. À part l'arc et puis le petit fusil à pompe, là. J'ai des vieilles armes, c'est normal, c'est pour les défis. Drôle de couleur l'eau. Je suppose que ça nous blesse si on va dedans. Bon, salut. J'ai fait un petit résumé de ce que j'avais fait en hors ligne, donc pas grand chose. Hein, en gros, j'ai exploré, voilà, là. J'ai fait deux fois l'avant-poste, une fois l'avant-poste, puis voilà, c'est tout. J'ai fait ça en hors ligne parce que bon, j'avais plus beaucoup de temps de jeu, ça servait à rien de prendre la tête aux gens pour quelques minutes. Alors, moi, ce que je cherche, c'est. Non, bah c'est rien, je m'en fous en fait. Allez, on va aller le voir. Génial, viens voir là une seconde. Moi, c'est Charlemagne Victor Beauchot, mais comme ça fait beaucoup, la plupart des gens m'appellent Chartier. Bienvenue au château Beauchot, l'endroit le plus bruyant et puant de tout Hope County. Et surtout le seul où mon petit pouce merde arrive à dormir quand il est de mauvaise poil. Il est justement dans son île. Son nom, c'est Blade. Ouais, c'est le fils de mon cousin Urk, on l'élève tous les deux. Mais je vais te dire, il tient sacrément de son père. Il adore les proutes,
Et l'ambiance fusillade, c'est plus radical que de le percer. Bon, techniquement, ce trou à rats appartient au ravageur, mais... Mais Urk et moi, on est planqués là depuis que le gamin fait ses dents. Ça me brise le cœur quand je le vois pleurer, ce pauvre petit gars. Enfin, bref, ces connards de ravageurs essaient de reprendre l'endroit tous les soirs depuis qu'on est là. Alors bon, jusque-là, on a pu y repousser. Mais je suis un peu débordé en ce moment, je vais pas te mentir. Alors bon, est-ce que tu pourrais peut-être me faire une faveur, être sympa et aider une maman en détresse? Je veux dire, j'ai préparé des pièges avec des tuyaux à haute pression, mais il faut encore les armer. Je sais plus où donner de la tête avec Blade. Je voudrais juste souffler 5 minutes. Je sais pas, chier un coup et me raser sous les bras. Disons que je vais t'aider en restant ici. Ouais. Je me s'occupe de tout, quoi. J'ai vu un truc là. C'est des munitions. En fait du bruit. Ah si, j'ai aussi fait 2-3 défis en attendant, genre le fusil de sniper, la mitrailleuse, etc. Oh putain, merci. C'est vraiment sympa pour le coup de main. Je veux dire, entre le bébé et ses bites masquées, ça fait des nuits que je t'en pleure. Si tout va bien, ces pièges devraient repousser ces connards ce soir. Mais assez parlé de moi, tu m'as bien aidé et ça mérite une récompense. Alors voilà, Urk et moi on fabrique notre mule à nous, et on a une petite réserve spéciale pas dégueulasse. On partage juste avec nos amis les plus proches. Ça sent le piège ou ça sent la saloperie, ça. Bon, bref. J'aurais peut-être dû te prévenir. Ah ouais, notre mule c'est de l'éthanol pour les bagnoles. Se réveiller pendant l'attaque, je suppose. Il fait nuit. Hey, ça va. Faut pas m'en vouloir, c'est ma faute. Des fois, j'oublie que tout le monde a pas un foie en béton comme Urk et moi. On a un paquet de blaireaux masqués qui approche. Je suis dans le nid avec Blaze sur le lanceur de tonneaux, mais ils sont trop nombreux pour moi tout seul. Ouais.
Il est con ce Klebs. Sérieux. Alors, groupe, on affecte elle. Vous pouvez compter sur moi. Bon, si on regarde les défis en lance-ci, ok, fusil d'assaut 4 sur 10, lance-flamme. Ouais, faudrait que je fasse le lance-flamme, faudrait que j'en profite, mais non. On le tente? Allez, on le tente. Oh putain! Débutant lance-flamme, ça s'est fait. C'est bon. Maintenant on peut y aller. Ok, très bien comme tu veux. Encore une partie de ma vie que je vais devoir te laisser. J'arrive même pas à t'en vouloir, t'es trop à l'heure.
LB. Ouais, complètement merdique. Entre le métal rouillé et les vapeurs de soufre, je sais pas trop à quoi je pensais. On ferait sûrement mieux d'aller à Prosperity. Je vais aller m'installer là-bas. Viens me voir si tu veux que je t'aide à fabriquer des jouets qui font boum, ok? Pas très bien. Ça, c'est fait. Oh putain. Sharky Beauchot, tu te crois malin, c'est ça? Tu nous attires dans tes petits pièges, tu tues nos meilleurs gars. T'as l'impression que tu nous fais mal, mais tu te trompes. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que tu te crois intelligent. Ça, ça me dérange. Et c'est pour ça que quand je t'aurai chopé, je te ferai coudre la bouche pour que tu saches que t'es rien. T'es juste une merde. Et voilà, la chasse aux ours. J'avais oublié que j'avais l'arc. Alors maintenant, en défi, on en est où? Débutant au lancie, ok. À la mitraillette, d'accord. Faut que je prenne une lancie quand même. L'arc débutant, le lance-roquette. Corps à corps débutant, ok. Pistolet niveau 2, fusil d'assaut, ok. Voilà, en gros, faut fabriquer les différentes armes maintenant, quoi. Ça c'est fait, on retourne ici. On va faire Nick Rise, ce sera le moyen d'améliorer le Prosperity au niveau suivant. Et à la place du lance-flamme et lancier niveau 1, voilà, c'était ça que je voulais faire aussi. Lancier de niveau 1, et bien sûr, on va améliorer dans les talents. On améliore pour pouvoir porter plus d'armes de corps à corps. Là. Et là, on va dans les armes et on équipe l'arme de niveau 1 au corps à corps. Parce que j'ai encore à la faire. Équiper. On peut pas? Ah si, d'accord, c'est qu'on les jette. Ah, je croyais qu'on pourrait en avoir plusieurs. Ah merde. Chier. Tant pis. Ok, bon, moi je me suis fait avoir. C'est pas grave. J'ai amélioré aussi un petit peu la base, voilà. Là, il faudra 700 d'éthanol, donc va falloir que je continue, que j'en refasse encore. On va commencer par les Fermi Cry. Donc mon groupe, on va réanimer, parce que elle s'est fait tuer. Et lui, il s'est fait tuer. Voilà. Mmh.
Alors, Horatio est de retour. Bon. L'arc est quand même vachement puissant, hein. Faut quand même reconnaître ça. Tiens, il y a un mec quelque part. Là-bas. Donc là, l'idéal ce serait d'envoyer notre sanglier le buter. Désolé, je t'ai piqué le frag. Ils sont quand même de niveau 3, donc quand même pas rien. Micraille. Ça va être en haut par là, je suppose. C'est pratique ça. Bon. Tu peux pas faire grand chose du coup toi. Au niveau maximum tu peux pas faire grand chose. Que des fusils d'assaut de niveau 1, bah dis donc. Merci. Merci beaucoup, putain. Faut que vous compreniez, ça fait des mois que je suis enfermé, là. Les ravageurs m'ont traîné jusqu'à ce campement pour m'obliger à bosser pour les jumelles. Faut que je rentre chez moi. J'ai un moyen de transport tout prêt pour ça. Allez, on se met en route avant que ces salopards repointent le bout de leur nez. En fait, moi c'est Nick. Ravi de vous rencontrer. Hé, hey, suivez-moi. J'ai une idée. Attends, laisse-moi tranquille une seconde. Survivants peuvent se réunir pour reconstruire le monde. Mon avion est planqué dans un hangar à bateau, juste en bas de cette colline. Je l'avais sorti pour des essais quand ces connards sont arrivés et m'ont chopé avec le froc sur l'essuie.
Pas littéralement, bien sûr. Ils m'ont traîné avec l'avion jusqu'ici et ils m'ont forcé à le réparer pour pouvoir l'offrir aux jumelles. Et en plus, ils m'ont fait bosser sur une réplique pour que les deux filles en aient un. Bref, je savais que mon seul espoir pour m'enfuir, c'était cet avion. Alors je l'ai bricolé sans m'arrêter. Bon, j'ai pas terminé, mais il démarre. Et on va s'en servir pour se tirer d'ici, hein, partenaire ? Je suis perplexe. Ouais, il manque juste les ailes. Moi je vais guetter les ennuis. Attends, je crois qu'il y avait un truc à faire avec cet avion bizarre là. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un truc à faire. Il y a un trophée à faire avec ce putain d'avion. Comment ça s'appelle ce jeu ? Far Cry New Dawn. Il faut faire voler l'avion sans aile. Alors là, comment tu fais ça? Ouais, j'ai compris, d'accord. Ouais, c'est un peu bizarre comme technique. Ok. D'armes de lancer. Voir les commandes, voyons voir. Accrochez-vous! Génial! C'était dingue! Merde!
J'ai essayé la technique qu'on m'a dit. Apparemment, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai raté mon coup. Apparemment, faut jeter la dynamite et puis il faut foncer dans le jet d'eau que ça envoie. Et bon, ça a pas l'air de marcher à tous les coups. Et je ferai ça plus tard, tant pis. Ça vous dérangerait pas d'arrêter de me tirer dessus, sérieux? Quelque chose? Salut chérie. Salut. Tu sais, si t'as du boulot, je peux revenir plus tard, non? Salut David. Salut. Merci. Bon, on peut passer Prosperity au niveau maximum, ça y est.
Eh ben, t'en dis des choses, toi. J'ai changé d'arme. Salut l'ami. Ah, les enfoirés, ils font payer pour ça, j'y crois pas. Quelle bande d'escrocs, c'est Ubisoft, sérieux. Salut mec. Salut. Oh merde, ça a marché. Viens par ici. J'ai l'impression que prospérité. Allez, on essaie d'améliorer. On va bien voir ce que ça donne. S'ils nous attaquent comme la dernière fois, ça va chier, je pense. Salut. Bonjour. Tout va s'arranger maintenant. On vous doit beaucoup. Bon, très bien. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Oh, attends, c'est quoi ça? Mission annexe. Gina Guerrera, ce serait pas pour avoir un nouveau pote, ça? Si, c'est ça. Bon, tu permets, je reviens plus tard, petite nana. Je vais aller me taper cet avant-poste. Je vais aller chercher Urk. Et puis, ouais. Écoute, ce qu'on va faire, on va se déplacer ici et on va se retaper cet avant-poste. Histoire de monter l'établi au moins. On verra après. Parce que j'ai l'impression que mes armes commencent à être fragiles. Contre les niveaux 3, et puis j'ai pas encore eu d'élite, mais bon, ça va tomber, ça va piquer. Prosperity va s'en sortir. Thank you.
Merde. Il a explosé comme un gros con celui-là. 9 éliminations, ok. Maintenant on a fait L. Super, merci. Rien. Je vais tenter de les prendre par surprise. Très bien. Bon. Très bien, ça nous permet d'augmenter nos alliés en même temps. Hein. Et puis nous, ça nous permet d'être discrets. Et donc de gagner plus de éthanol. Allez hop, 300 d'éthanol, ça c'est très bien. Alors, elle en est à 15, donc elle a un bâton de dynamite maintenant, ok, très bien. Et lui, il est toujours à 9. Quand Horatio est blessé, il peut se remettre sur pied sans votre aide, ça c'est super. Vous savez où me trouver. Les rageurs doivent être super remontés qu'on les ait battus avant la vérité. On fonce à Prosperity, évidemment, améliorer l'établi, on va bien voir ce qu'il faut pour avoir des meilleures armes. Que bon. Le plus important, c'est les armes, hein. On va pas se leurrer. Faut mieux faire des petits sacrifices chaque jour. Allez, on améliore ça. Vous nous avez sauvés, mais vous avez surtout sauvé ses enfants. Bravo. On a réussi à créer une vraie communauté. Alors, on peut fabriquer donc des armes d'élite. Voyons voir ce qu'il pourrait y avoir comme armes d'élite.
Alors si... Ouais, il faut tout le temps du... Il faut tout le temps des matériaux bizarres. À la misère. C'est ce que je craignais. L'arc à poulie, j'aimerais bien. Un lance-grenade. Ok. MBP 50 guérilla, ok. Suivant matériaux. AK, ok. C'est pas très discret par contre. M16, ok. Fusil d'assaut furtif, ça c'est bien. Ça c'est top. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. D2 sanglier, ok. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. D'accord. Espace 12, ok. Mitraillette. Pistolet, furtivité, ok, très bien. S'il a pas de silencieux ce pistolet, hein, je me trompe pas. Bon, bref, on s'en fout. D50, bah d'accord. P08 avec silencieux, très bien. Pelle, pelle. Ouais, donc en fait, il me faut des matériaux spéciaux, quoi. Donc là, on va être bon pour se chercher, se bouger le cul et chercher les matériaux spéciaux. Donc j'ai vu qu'il y avait un espèce de bestiole là qui m'en rapportait. Ça. Cougar monstrueux d'élite. Et ben, on va être bon pour y aller. On va le tenter, on va bien voir ce que ça donne. Putain, putain, voilà. Ah, circuit imprimé, tiens. Ah bah. Ah, ça tombe plutôt bien. Allez, arrache-lui la tête. Voilà. Donc, les circuits imprimés, on en a comme ça. Et bah, alors là, tu vois, ça c'est bon à savoir. Hein, ça c'est plutôt bon à savoir. J'ai peur que pour favoriser le principe d'expédition, ils en aient mis pour les expéditions. Ce soit l'un des seuls moyens d'en gagner. Je le sens, je sais pas pourquoi. Ah.
Bien raté mes tirs. Bon, il va donc me falloir des circuits imprimés maintenant. Bien, je suis à l'endroit. C'était qu'un coup gare.
Comment on fait venir les animaux monstrueux? Il doit bien y avoir un moyen. Je sens que je vais me faire dérouiller, mais bon. J'ai envie de le tenter. Je comprends pas. Forcément par là. Hein. Il est où ce putain de truc là? On va prendre dans le groupe plutôt elle d'ailleurs. Alors, on va encore fabriquer J'ai jamais vu autant de sang et de mort. Mais ce qui compte,
c'est que Prosperity soit encore debout. J'ai cru que j'étais foutu. Prenez ce que vous pouvez, quand vous pouvez. Putain, j'entends du bruit. Je suis fière du cran qu'on a eu pour défendre. C'était quoi? Malheureusement, c'est pas l'élite. T'as bien fait de venir. Vous trouvez quelque chose d'utile ? Tirer dans le ciel, cette conne. Tu veux tuer les nuages? C'est quoi ce bordel? Le mec, il a pas honte, il voulait nous piquer notre voiture, quoi. Je vous suis.
Quoi? Fais défoncer la gueule! Tu vas! Je sors l'ennemi! D'accord, à tirer donc sur des... Bon, apparemment ça fait rien. On va retourner à Prosperity, on va essayer de se faire un... Ça fait quoi si on améliore l'arme ? Il montra ses dégâts de 5%, ok, bon, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais carrément. Comme dans Top Gun. Hey, j'ai ma grosse patate qui est prête à partir. Merci de m'avoir trouvé de l'éthanol. Comme ça, toi, moi, puis ma grosse patate, on va pouvoir reprendre ce qu'on fait de mieux. Faire chier les ravageurs, puis leur voler leurs ressources. Alors écoute ça. Les ravageurs ont trouvé l'épave d'un porte-avions, puis ils s'en servent pour planquer des trucs. Ils ont cru que personne la prendrait, hein? C'est mal connaître le rejet. Je sais pas ce qu'ils vont trouver, mais ça va nous servir. Alors qu'est-ce que t'en dis? On leur rend une petite visite? Puis peut-être qu'on pourra se balader sur la plage après ça? Non, je déconne. Les ravageurs vont être en colère. Faudra surtout qu'on se sauve en vitesse. Puis, ça te tente-tu? Moi, je suis prêt. Je voulais juste dire merci d'avoir cru en moi puis en ma grosse patate.
Allez, on le tente. On va bien voir ce que ça donne. Là, ça commence bien l'expédition, et là tu sens l'efficacité du mec. On est reparti. Là, tu. Je sais pas ce qui se passe avec la touche là, mais. Encore un corps de niveau, hein, ok.
écoute. Va jusqu'à la plage au sud-est. Je devrais pouvoir y atterrir sans trop de problèmes. On gagne bien des circuits imprimés avec ça. Voilà, t'en veux encore, c'est ça? T'aimes bien, toi. Mécanisme, ressort, circuit imprimé. Ah. Circuit imprimé. Intéressant. Fabriquer l'arc. Le snipe pas encore. Le
Le fusil d'assaut, tiens, bah, alors là on va se le fabriquer. Bon, ça c'est une bonne idée. Pistolet, on s'en fout. Pistolet, on s'en fout. Corps à corps. Intéressant. Bon. Je vois des lanciers là, mais alors les lanciers avec un chargeur de 6. Est-ce que c'était pareil là? Chargeur de 1. L'autre il a un chargeur de 6. Allez, c'est violent comme arme. Faut que je bute un ours, ça veut dire. Ok. Lance-flamme, on n'en veut pas. Nous, ce qui m'intéresse, l'arc à poulie, il a l'air plutôt pas mal. L'arc à poulie a l'air pas mal. Ok. Une mitrailleuse. Au cas où on a des emmerdes, ce serait bien d'avoir la mitrailleuse. Allez, on va réfléchir, on va continuer dans les expéditions. C'est ma pote là, elle a où? Elle en est où? Groupe. Je suis quasiment à 40 kills. Bien. On va donc affecter ce team. Eh oui, nous y voilà. Ah, c'est que t'es cool toi. On les a eu les trous de cul. Bande de caves. Ok. C'est bon, je suis prêt. Juste un truc sur les ravageurs. Quand on les chasse, ils reviennent toujours plus forts. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, si ça te dit de te refaire une forteresse, c'est possible. Mais ils feront tout ce qu'ils pourront pour nous compliquer la tâche. Mais sinon, on peut aussi aller ailleurs. Ah, regarde ça. Les ravageurs ont pris le contrôle du seul pont qui tient encore au-dessus des canyons au sud-ouest. Ils attendent que les gens traversent, puis là, bam! Ils leur tombent dessus pour leur faire les poches. Chez nous, on dit que quand on se fait avoir, on se fait fourrer. C'est vraiment le bordel. Tu veux que je t'explique mon plan? Ben, il n'y en a pas, OK? On leur prend tout ce qu'ils ont, comme ils prennent aux autres. Puis c'est tout. Merci, bonsoir. Alors, à toi de me dire, on retourne au navire de guerre ou on part pour le pont Navajo dans ma grosse patate? Je te laisse choisir. On va que je fabrique quand même. Ouais. On a créé notre petite. On va quand même fabriquer l'arme. En cas d'emmerde, on est quand même bien d'avoir une bonne arme. Tiens, petit lance-grenade, ce serait pas mal ça non plus. Chargeur 200. Allez. Fabriquer avec matériaux. Fabriquer une arme avec une légendaire pour devenir vous-même une légende. Ok, très bien. C'est disons que c'est une arme en cas d'emmerde. Prochaine étape. C'est le fusil à pompe. Peut-être le pistolet furtivité, ce serait pas mal non plus. Bon, écoute, on s'en fout, on va voir. Fusil d'assaut, allez. Suivons matériaux, on y va. Fusil d'assaut et puis ensuite l'arc. L'arc à poulie. On y va. Je voulais juste dire... Faut juste que j'affecte, voilà, c'est bon, j'ai un bon carte, journal. On va donc aller attaquer. Ça
Navarro Bridge. C'est parti. En gros, tu fais des expéditions, ça sert à rien de chercher dans la map, quoi. C'est... ça va plus vite. On va envoyer notre sanglier faire le fou. Et puis voilà. On approche du pont. Il y a l'avant plutôt bon état. Faut dire que par chez moi, les bons ont pas attendu les bons pour s'écrouler. Ok, dès que t'auras le colis, je te dirai où on se retrouve. Allez, au boulot, Master. Méfie-toi, il y a une puce GPS sur le paquet. Les ravageurs peuvent te suivre partout. Bonne chance. Bon, du coup il doit être à 15 ou 16 là au ratio.
Oui, on va aller faire sa fête à lui. Thank you.
Alors, où on en est dans avec Horatio? Hey, viens voir, par ici. Alors écoute, il paraît que les ravageurs s'agitent pas mal dans un parc d'attractions au sud, en plein bayou. Je peux te dire une chose, ils font pas du manège en hurlant puis en riant à plein poumon, ces trous de cul-là. Non, ils cherchent des trucs pour se renforcer, puis c'est pour ça qu'on doit y aller. Mais attention, les ravageurs ont déjà la zone bien en main, alors va falloir être super prudent, OK? Allez, c'est parti. Dis-moi quand tu veux y aller. Il vaut mieux l'arc à poulie ou le fusil sniper? Je me pose la question quand même. Allez, on va déjà prendre l'arc à poulie. Il est à 28. Ah, il va falloir que j'aille en libérer d'autres du coup. Tiens, bah il y a elle en marque. On va commencer par faire sa mission à elle. Putain, ça a marché. Je crois que je peux payer une pute ou deux au roi des singes maintenant. J'ai un petit problème à base de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que j'ai trouvé Gina, la maman de Blade, l'âme sœur de Herc. La mauvaise, c'est que les ravageurs l'ont enlevée et qu'ils la forcent à participer au derby des prisonniers. C'est leur façon à eux de punir les membres pas loyaux et le vainqueur regagne sa liberté. Le seul problème, c'est que c'est complètement truqué. Personne gagne jamais et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, faut croire qu'ils lui en veulent encore de nous avoir donné le bébé, plutôt qu'à eux. Sous leur casque à la con, ils adorent les bambins et franchement, je les comprends. Enfin, bref, faudrait que tu te débrouilles pour que Gina gagne et qu'elle reste en vie. Parce que c'est la maman de Blade et que notre famille, c'est sacré, ok? Et puis aussi, je sais pas si t'as déjà vu Herc quand il est triste. Mais c'est moche, il se transforme en gros tas de morve et j'ai pas besoin d'un deuxième bébé sur les bras. Alors pitié, je t'en supplie. Sauve Gina. Joue les snipers avec tous les connards qui s'approcheront d'elle.
Ouais, j'y crois pas, j'aurais dû prendre un snipe du coup. Comment ça, elle est morte? Ils sont sérieux quoi? C'est pas possible. Elle avait plein de vie. Bon bref.
Ah ouais, d'accord. Bon. Alors, allons-y, moins... Oups. Bien, ça explose fort, quand même. Bonjour. Je vais pas rester longtemps, je vais bientôt partir. Bien joué, débile. Alors c'est toi le sniper, hein? J'avais tout sous contrôle, je pouvais me passer de tes services. Bon, écoute, je sais bien que cette putain de course était impossible. C'est pour ça que je voulais la gagner. Merci. Tu m'as sûrement sauvé les miches, on va dire. Je suis pas doué pour les excuses. Je t'en veux pas vraiment, je voulais juste faire rager ces salopards en gagnant la course. Ça fait des années que je dois supporter les jumelles. J'ai fermé ma gueule. J'ai fait tout ce qu'on me disait. Tout ce que je demandais en retour, c'est que ces deux connasses laissent mon bébé tranquille. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait ?
Elles ont essayé de l'enlever et elles m'ont envoyé crever dans leur derby à la con. Tant que les jumelles seront dans le coin, mon bébé sera pas à l'abri. Je vais faire payer aux ravageurs tout ce qu'ils m'ont fait subir. Tu me plais bien. Pense à moi si jamais t'as besoin d'un coup de main. Je bouge! Je t'ai quand même appris à tirer mieux que ça, putain! Salut, t'as bien géré pendant l'attaque.
shade. Going for the next wave. Close shade. Buddy running out the clock, though. Rock those mystery ass faces. Yeah, any damn day. Thinking that was wrong. Ils ont jeté un coup de mortier sur mon sanglier, s'il te plaît. Ah, il est beau. Mais là, reste pas dans le feu, la petite. C'est ce qu'on appelle un cochon grillé. Oula. Je tiens un peu trop. Ben, c'est aléatoire donc les récompenses qu'on a. Je pensais que j'aurais des circuits imprimés moi. Bon. Sur 40, très bien. Carmina, c'est pas fini. Encore 38, ok. Ok, bon. Allez, on va s'arrêter là.